d'août 2020, dans le moment où tu as entré la CAIDI, dans le pèlerin 5. Mais pour qu'on y ait après direction Saint-Marc, 8 personnes après un bal, ça passait dans la zone portail Gap. Après, un individu qui était à bord, une machine Pathfinder couleur verte, te l'ouvri coup de zam sur une camionnette. D'après victime qui trouvait dans l'hôpital et Saint-Nicolas côté yoté al prend soin Saint-Nicolas Saint-Marc et malveillant d'après ça vous fait connaître fait action malhonnête ça c'est à cause camionnette là t'est frotté ak machine Pathfinder plus détail à correspondant dans Balatibonite 1100 Madeus 8 moun pran bal matin samedi 23 janvier 2021 dans zone portail Gap nan entre Nouville là parmi 8 moun yo gen 5 ki gravement grave incident arrivé après on pas find de vert qui t'a fait bac sur route nationale numéro 1 et puis un pick-up qui assure transport Saint-Marc pour sonder te raflé chauffeur pas de fond derrière descend l'issima et cartouche ni sou moun qui était dans camionnette là ni sou moun qui vit dans zone nan pendant moi l'acheter le concert me gardé moi tout moun en pour il aime bail de pour me courir et puis me garder moi ba Pathfinder vers quoi France croisé devant Pico Plan et puis me donne monsieur faire on peut bien faire le cartouche tout le monde connaît devant les cartouches tout le monde était quoi couvert monsieur vous bien faire le cartouche ils font deuxième rafale en troisième rafale après troisième rafale cartouche là monsieur monte vol machine ni tout les vieilles machines là ils tournent sous la ville en camionnette mien bal bosson de Saint-Marc fini m'a tourné bal bosson de sortant de à même c'est coup de balle dans des pas dans encore dans des coup de balle me prend balle Je suis dans la ville. Après Zach Malonet, ça, chauffeur, tranquillement, mettez vent dans voile. Inspecteur Tony, qui est responsable service circulation au commissariat Saint-Marc, promet, il a mettez main sur chauffeur, pour la répondre de Zach Malonet, ça, les commettre. Pendant l'affaire qu'on est, dans 20 gaz, dans galon, gaz éclaté, deux mouns, pour pipiti, boule gravement grave, dans blocos, une dans localité Villa. Balatibonite Saint-Marc, 1100 Madeus, Kiskeya. Merci, n'a pas entré dans Port-au-Prince avec le président de la Fondation Jécréa, ancien sénateur Samuel Madistin, maître Madistin que tout le monde connaît. Sous déclaration choc, ministre intérieur, d'après ça, il dit AI dans le gouvernement de facto tête Kalea, Louis et Edner Gonzague D. Et fait pendant une conférence pour la presse ensemble avec ministre justice nan hier et sous dossier arrestation sénateur Nenel Kassi nan Miragouane mais tout sous situation globale nan pays an côté même Jean ak président Jovenel Moïse ces menaces il fait l'a fait sous opposition côté Jean Paléa yo pa pral rete bras croisés pour quitter mon a manifester bref de déclaration qui pa gen rien pour ak période démocratique peuple haïtien entré la donne depuis 1986 président fondation Jécréa FJKL M. Samuel Madistin dit il pas saisi tendez Edner Gonzague D parler comme ça qui fait connait pouvoir tête Kalea pas dans sitirance dans tolérance ak mouvement qui a fait dans pays a pour obtenir Jovenel Moïse quitter pouvoir selon constitution 7 février 2021 dans interview li Radio Kiskeya et jeudi a M. Madistin à la tête FJKL là fait qu'on est ministre de Céon du Valéris et c'est un monde qui gagne difficulté pour capable habituer à respect droit monde donc il puis habitué dans violation droit monde ça qui fait la très difficile pour ta d'accord un citoyen capable exprimer et revendication gain et d'après maître Madistin toujours il pensait pouvoir et si il pas démarquer de déclaration ça yo ou bien si on pas révoquer et Gonzague Edner D ça montré pouvoir endosser toute ça dit et dans conférence pour la presse cité hier entendez réaction président fondation Jécréa FJKL M. Samuel Madistin dans micro Hervé Noël déclaration ministre Gonzague D pas surprendre moi parce que mes un proverbe créole qui dit chien qui habitué manger zé pas jamais quitter manger zé Gonzague B, c'est un Duvalier, c'est un monde qui fait partie du gouvernement tortionnaire Duvalier, et qui a habitude pratique dans violer les droits monde. C'est ça qu'on gagne comme modèle de gouvernement, mauvais modèle de pouvoir. Donc, il est difficile pour comprendre qu'en démocratie, population a des droits.
et on a un droit qui est gagné, c'est le droit de manifester, c'est le droit de dire non. Donc, pouvoir par là pour empêcher une population exprimer et droit qu'elle gagne pour réunir sur la place publique, donc la liberté d'association, la liberté de réunion, et la liberté, n'est-ce pas, de manifester, ce sont des droits fondamentaux qui sont d'ailleurs proclamés par la Constitution de 1987. C'est des droits qui sont proclamés par le pacte international sur les droits civils et politiques, les conventions internationales qui a été ratifiées, obligation l'État, c'est pas pour jouer les droits sociaux, c'est pas pour quitter le monde des droits sociaux, c'est pour l'encadrer tout le monde qui a besoin justement d'exprimer. Je pense que la déclaration ministre, c'est une déclaration extrêmement malheureuse, c'est en principe une déclaration pour pouvoir les démarquer les immédiatement, soit pour les renvoyer ministre ou bien pour les dire parole qui dit là, c'est pas parole gouvernement, c'est parole pâle, personnel pâle. Donc l'ELOPA fait ça. Ça veut dire que ce pouvoir, Jovenel Moïse, qui a endossé une politique de répression, une politique pour lui violer le droit monde, c'est volonté qui a exprimé pour plonger le pays en dictature, tant que ça a fait longtemps. Je trouve ça très malheureux. Il dit clairement, le pays n'a pas pour une seule catégorie de monde et que n'importe qui monde qui t'a pensé au capable de faire violence. Avant le 7 février, il y a besoin d'Axo Gagnon. Bon, type de discours, ça y est, type de rhétorique, ça y est, qui est venu du pouvoir ou de l'opposition, condamné, parce qu'il est capable de déboucher, n'est-ce pas, sous des violences généralisées qui ne sont pas bon au pays. Voilà, Maître Samuel Madistin, président Fondation J'éclairé, qui n'était pas comme ça, dans le micro, Hervé Noël, sous déclaration choc. Et ministre AI intérieur et Edner Gonzague et fait ailleurs. Mais il faut que nous disions, il y allait dans le même sens avec le président Jovenel Moïse, qui continuait chaque fois qu'il y a une occasion pour menacer de groupes de citoyens. Dernière menace qu'il fait, c'est moun dans le secteur business privé et qui n'a pas le droit pour exercer position par rapport à la situation politique pays, alors que son droit constitution bayo, quel que l'on soit côtoyé dans la société, qui tous ses patrons, qui ont un gros business privé, une moyenne ou un petit, ou son professionnel, ou son chômeur, ou son paysan, ou son cultivateur, ou son ouvrier, ou qui doit pour faire politique, ou qui doit participer dans tout ça qui concerne le pays, ou qui doit pour candidat, ou qui doit tout pour appuyer n'importe mouvement politique, ça veut dire qu'on doit financer, cofinancer, participer dans la présence ou dans la manifestation. Il n'y a pas aucun monde qui doit retirer droit ça. Et bien, droit ça, je ne veux pas dire menacé, j'en entendu et président menacé pour mettre en application décret scélérat, il y aurait les anien et même. Et moun ki proche li pas accepter parce que pas oublier li était obligé à le voyer à prendre une correction et dans OPC qui pas là pour ça et alors que tout monde connaît ça y était enveilleuse et ben il révéler li prête pour mettre en application qui donc persécution politique pour tout monde qui pas d'accord avec elle et il était ciblé particulièrement et moun qui n'a activité business privé pour pas soutenir activité opposition lui même qui était grand bénéficiaire et de secteur privé, elle était candidat pour le devenir président. On s'en est démonstration, elle était faite dans Grenoble après Machu. Parce que le débat qui a bateau qui était chargé à toute qualité marchandise, secteur privé a été bali. Donc lui-même, il était bénéficié de appui et pour le faire politique, mais il n'est pas reconnaître l'autre monde doit pour bénéficier de appui. Secrétaire général Fusion sociale démocrate haïtien, ingénieur Rosemont Pradel, dit Livo EGT, déclaration, ministre AI intérieur gouvernement de facto A, Edner Gonzague fait ailleurs, concernant disposition, li annonce gouvernement la donnant à prendre, contre tout le monde qui a levé campé pour rappeler Jovenel Moïse, date 7 février, c'est une date constitutionnelle, côté mandat a fini dans condition de arriver sous pouvoir, et il te connaît très bien. Numéro 2 Fusion, dans interview de Radio Kiskeya, ingénieur Pradel, déclarer c'est constitution qui prend l'entrée d'application. Si Jovenel Moïse comprend pour prolonger mandat, et bien il dit sa population l'a en affaire qui a pris responsabilité. N'a pas de réaction secrétaire général Fusion sociale démocrate haïtien ingénieur Rosemont Pradel
concernant dernière déclaration et Edner Gonzague, ministre intérieur haïtien fait hier, il te parlait comme ça dans micro Hervé Noël. Citoyen ça pour nous dire que 7 février 2021 c'est la fin du mandat constitutionnel et président Jovenel Moïse. C'est pas la population, c'est pas l'opposition qui dit que constitution dit une constitution que président qui fait pour respecter, faire respecter. Donc constitution n'a pas appliqué dans la mesure où président ta régime qui comprennent qu'il y a une fête pour force là, pour le prolonger du mandat. La population va le camper. Pas quoi, pays, c'était ni Gonzague, ni président de la République là, ni M. Jovenel Moïse. Pays, c'est pays, peuple haïtien lié dans toutes ses composantes. Donc, président est là, sous la base d'un mandat, mandat au final, ou aller, sous base, aller, à péter dehors. Parce que, le président va comprendre avec tout Gonzague, c'est où, il y a une fête d'Ivalier. C'est pas ça, non, pour faire le réflexe du allié, à pas passer là. Elle dit, population déjà mobilisée, 7 février, c'est la fin du mandat, la fin constitutionnelle du mandat du président de la République. Donc, suivant l'article 134.2 et de la Constitution et l'article 239 du décret électoral. Donc, non pas comprendre comment, mais ça, a fait une recherche, ils ont fait comme si, mandat président pour finir, pas qu'il y ait une discussion, un débat sur question, ça, son bail qui est mon texte de loi. Donc, il n'est que d'application stricte, point, boule, dans ce qu'on parle. Donc, on fasse population dans toutes ses composantes. Et laisse ça, pays à bloquer dans le haut du nord au sud, et laisse à l'ouest. Laisse à l'ouest, la capitale passée. Voilà, numéro 2, Fusion ingénieur Rosemont Pradel, secrétaire général. Fusion qui te parlait comme ça, nan micro Hervé Noël. Ancien sénateur nord-est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, dénoncé une autre fois encore Jovenel Moïse, qui n'a pas l'air comme président, il dit qu'il veut établir, coûte que coûte, une dictature dans le pays. Et d'après l'ancien parlementaire, Jovenel Moïse, à travers dernier décret, tête en balio, et il voulait pour laguer panique dans le temps et population. Et pour t'a fait tout le monde peur, pour tout le monde courir. D'après ça, le dit président, continuer à répression et qui montrait et pays a pas en quelle direction li prend parce que autorité yo nan dans ses collés ak bandi pour capable kembe pouvoir et selon dirigeant IPAM nan qui profite lancer yon appel tête ensemble nan mitan toute force qui gen nan nation pour exiger pour Jovenel Moïse remettre en pouvoir 7 février 2021 puisque mandat le bout. Il dénonçait une autre fois encore arrestation et régime n'a été fait sous sénateur Nenel Kassi avec l'autre militant politique dans le département Niplan. Et n'attendait et sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dans micro Beethoven François Fils. Pas gagné route pas bois, la constitution est d'application stricte, article 134.2 constitution, pas gagné interprétation. Même si Jovenel a essayé de tordre la constitution, pas gagné toute société, d'ailleurs, le VKP, qui a demandé le respect de la loi, le respect de la constitution. Cependant, nous connaissons Jovenel, gagné un projet. C'est un projet de dictature pour le mettre dans le pays, parce que c'est patron de l'oligarchie et de l'international. Et il a carrément gagné la même mise et totale sur Haïti. C'est ça que fait Jovenel changer tout bagaille dans le pays, parce que j'estime système basé sur ce qui là, c'est un système, malgré Jean-Lié l'alpha libéral, j'ai besoin de renforcer, c'est ça qui fait que l'oligarchie a besoin de faire même mise sur toute institution, yo. C'est ça qui fait que, ouais, Jovenel vient en fait conseil électoral, que c'est barbecue, c'est Rosemont Jean, c'est Mungao qui recommande Moun, et dans conseil électoral là, c'est M. Lapointe là qui recommande Moun, nan conseil électoral, ça veut dire un conseil électoral qui pas prêté serment devant la Cour de cassation selon le vœu de la loi. Nous voyons que la procédure des décrets tête en bas seulement pour renforcer le système des sous-CA, pour paniquer le monde, pour inquiéter le monde, pour faire le monde pas réclamer le respect de la Constitution, parce que le mandat de Jovenel Moïse, selon l'article 134.2, a fini 7 février 2021. Nous voyons que c'est répression,
c'est gang qu'elle mettait dans tout pays là, il fin fait gang dans tout quartier populaire yo, après ça le fédéré yo, et puis aller dans province yo commencer faire des sapes, faire amis, faire une série de bagages. Nous croyons que jodi à nous dernier événement yo, c'est tentative de kidnapping ou de kidnapping que vous avez fait sous sénateur Nenel Kassin dans Miragouane, côté peuple là, a réclamé, a demandé le respect de la loi et de la Constitution. Ils ont kidnappé sénateur Nenel, parce que sénateur Nenel a boumé contre Jovenel. Eh bien, tout peuple là a supporté et nous-mêmes, dans le département de l'Ouest, nous avons porté solidarité nous et nous avons continué à porter solidarité nous, ben, sénateur, pour nous dire tout militant qui a projeté à PHTK, tout dirigeant que Jovenel a envie d'assassiner, et nous qui nous dit nous, moment, c'est pour nous mettre nous ensemble et c'est obligation que nous gagnons pour nous faire un front commun pour nous voir manger, ranger ça aller, parce que Jovenel, c'est le mal absolu dans le pays. Voilà, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, ancien sénateur département Nord-Est, qui était à parler comme ça dans le micro, Beethoven François Fils. Gagnant professeur Victor Benoît, dirigeant RSD, qui dénonçait volonté à Claire Jovenel Moïse manifester pour établir une autre dictature dans le pays. Li voyait jeter et façon équipe tête caléa a dirigé pays et Jean régime n'a préparé et pour et fini craser pays à net dans cadre de bataille qui a mené contre dictature et lecture Jovenel Moïse ak ministre yo pas traduit réalité pays a d'après ça professeur Benoît rapoussi pour dire li dit c'est selon lui-même dans considération le fait yo. C'est une lecture totalement erronée équipe tête calé à faire dans ça qui concernait réalité politique et socio-économique pays. N'attendez le professeur Victor Benoît toujours dans le micro Beethoven François Fils. Bon, c'est que ce soit trois déclarations qui expriment une même ligne politique, la volonté d'appliquer une dictature brutale dans le pays. Parce que dans des ministres qui parlait de mars 13 au papier de 14, hein? Le président ne m'a pas appliqué à Andy. Bon, donc ça signifie que Moukita de Kamoun fait son pito et son mandat. Donc, moi, c'est que c'est on les politiques qui étaient là, où il y a pu appliquer de la manière la plus ouverte. Hein? Il n'a fait que tout le plus. Donc, c'est le monde qui propose. Il ne pas comprendre. Il n'y a pas de comprendre. Comprendre que ça n'est pas un bon nom qui est capable de dire et que y aurait ça, la volonté du président Jovenel d'instaurer la dictature dans le pays ou bien de rétablir la dictature dans le pays. La volonté est manifeste. Kounia, ce sont des actes. Comprendre où est-ce qu'il est passé aux actes de l'autre jour là, de Miragouane, dans le cas. Et militants autoritaires, en même temps que monsieur le sénateur Nenel Kassé. Donc, je pense que c'est même pas la cap continuer. C'est son politique est bien conçu, même de bien conçu, je pense que son politique est malvenu, parce que c'est la contre-tête de l'histoire. C'est comme si, et monsieur, que tout le monde qui passe dans le pays pendant les 30 dernières années, pas passé réellement. C'est comme si nous n'avons pas de peuple qui dégoûte, hein? Nous n'avons pas de constitution, nous n'avons pas de peuple qui est de plus en plus éclairé. C'est comme si nous avions le monde, nous avions le monde comme à l'époque de la guerre froide, avec les États-Unis en tête qui a toléré la dictature, etc. Donc, bon, c'est que lecture, M. Jovenel et ses ministres, c'est une lecture fausse de la réalité, et de la réalité interne du pays, et de la réalité de la géopolitique, et de la Caraïbe, Jodia, nous avons Jodia, on dit des mouvements, dès que la vie a changé, sous leurs yeux, il n'y a pas ça. Bon, c'est que c'est nous peuple haïtien de combattre cette affaire. Comprendre, bien entendu, et accompagner, n'est-ce pas, de ses leaders. Voilà, professeur Victor Benoît, dirigeant RSD, Anamiko Beethoven François Fils. Faut que nous dit Rassemblement social démocrate pour le progrès d'Haïti, RSD,
te paraît une note qui peut date 22 janvier hier pour condamner arrestation gros poète qui était faite sous sénateur Nenel Kassi avec militants dans opposition dans Miragouane avant hier. Et coordination nationale parti rassemblement social démocrate pour progrès d'Haïti RSD dit après pendant journée 21 janvier 2021 gen plusieurs militants politiques dans opposition là de sénateur Nenel Kassi yo té arrêté dans Miragouane à bas l'ordre président Jovenel Moïse d'après sa commissaire gouvernement a déclaré RSD constaté gouvernement Jovenel Moïse a décidé pour plonger pays à non dictature non pas capable accepter violation ça qu'a fait sous constitution institution ak droit moun d'après sa RSD ra poursuivi pour di devant situation ça RSD lance un appel pour gon gros tête ensemble en toute force démocratique dans pays ya pour capable lever camper pour combattre dérive ça qui totalement inacceptable avec toute l'autre bataille qui gen pour mener pour permettre un peuple haïtien débarrasser de vieilles pratiques dictatoriales ça yo et pour permettre chaque moun capable jouir de façon totale capitale liberté démocratique au peuple haïtien goumen pour yo et coup dictatorial ça li pa dwe passer pays a pa dwe et subi une autre fois encore action criminelle brasse à rouge gouvernement nan confiolo avec yo vive résistance peuple haïtien devant dictature ça qui a avancé sous nous pendant la rampe vive constitution 1987 amendé et c'est Victor Benoît et représentant officiel Axi Franc Michel secrétaire général RSD Rassemblement Social Démocrate pour le Progrès d'Haïti qui signait note ça. Sénateur Patrice Dumont exprimé le tout dans une note pour la presse qui portait date 22 janvier tout mais ça le dit jeudi 21 janvier dans Miragouane pendant te gagné une manifestation politique et un serviteur et président Jovenel Moïse qui relait Jean Ernst Muscadin yodi qui ta commissaire gouvernement mettez me note nan poyet yon sénateur Nenel Kassi qui nan opposition red cherche Zak touye krasezo dictature sanguinaire gouvernement Jovenel Moïse nan et vin tellement en pile li pi difficile pou ta kap konté Zak sa yo que si ou t'ap essayé konté grain sab et bolamé et qui donc pas gagner saisissement encore d'après sa sénateur Dumont a poursuivre pour dire nous pas même besoin condamné et ça pour nous faire c'est pour nous toujours veatif dans action n'a mené contre dictature pour nous pas offrir au sang pour yo boire encore faut nous toujours faire dictature connait rendez-vous c'est 7 février 2021 sel bagay pendant n'a souhaité sénateur Kassi courage n'a dit tout moun ki a fait et travail Jean Ernest Muscadin yo c'est pas demain de la prière il fait connaître avec demain pas demain des dos haïtien la prière donc c'est sénateur Patrice Dumont PP qui signe note ça donc c'est pas demain derrière dos haïtien qu'on la prière donc c'est moi qui ajouter qu'on non pour capable plus confortable tout faire discussion ça yo à PP discussion linguistique voilà même quoi message la passé. Et puis les plateformes organisation haïtien droit monde POHDH dénoncé répression la police contre manifestants qui a exprimé yo et POHDH qui sont plateforme organisation qui a défendre droit monde exiger respect maman loi pays à constitution 1987 là plateforme organisation haïtien qui a défendre droit monde POHDH salue diverses mobilisations qui organisées tout partout dans pays là et dans date 20 à 21 janvier qui se passe là pour exiger respect article 134-2 constitution qui en application et selon constitution mandat président Jovenel Moïse à bout jour qui 7 février 2021 PEHDH profité pour dénoncer violence exact brutal et agent la police continuer à faire pour gagner toute manifestation pacifique peuple a fait dans pays PHDH voulait
pour faire et policiers connaît yo même qui a servi à Grégodette à gaz lacrymogène qui nan mais yo content peuple haïtien et yo mettez même en danger la vie plusieurs monde de ti moun petit ti bébé femme enceinte grand monde qui gè l'âge et yo tiré bombal et sou moun k'ap manifester et sans que pas prendre en considération la vie moun sa yo il y a plusieurs blessés à chaque manifestation et même des monde qui mouri tout plusieurs dizaines militants yo arrêté de façon gros poète là-dedans yo gen cas sénateur Nenel Kasi dans Miragouane et côté commissaire gouvernement maître Jean Ernest Muscadin qui dit c'est sous l'ordre président Jovenel Moïse était arrêté sénateur et mettait sous sa tour toute qualité menace persécution politique qui a fait contre militants qui a levé campé contre pouvoir tête calière. PYDH dit le constater et puis il condamner le fait que la police non mission c'est protéger population vient tourner un instrument politique qui n'en service pouvoir PHTK seulement. Il pas gagne l'autre bagarre l'a fait. Il là pour mettre babouquette dans bouche peuple haïtien qui goumen pour te racher liberté publique yo. Liberté que rive codifié dans constitution 1987 là qui garantit dans article 31 et avec tout l'autre instrument international concernant droit monde l'état haïtien ratifié particulièrement dans pacte international concernant droit civil et politique dans article 19 li qui c'est PIDCP et que Haïti ratifié qui fait partie de l'ASNAL juridique et législatif et pays d'Haïti dans sens ça PYDH quoi et là une série de monde tankou par exemple moun ki nan police nationale la yo tourne ti moun ki mari nan pied table yo pouvoir et ben yo compromettre image institution yo drivel a terre alors que yo ta supposé là comme gardien la police non et liberté publique yo pour ta permettre yo exercer c'est totalement inacceptable pour des policiers à servir sans que yo pa besoin ak des armes qui ka touye moun pour gagner mobilisation pacifique moun a fait citoyen dans respect constitution pays yo et contre un projet dictature président Jovenel veut établir dans pays pour finir PYDH dit l'elle bien gardé en somme plateforme organisation haïtien qui a défendre droit moun nan exige libération tout moun yo arrêté de façon gros point pendant à manifester qui c'est droit yo et mandé population rete mobilisée pour défendre constitution pays d'Haïti avec toute liberté publique yo c'est pas cadeau yo fait nous yo c'est des conquêtes démocratiques peuple haïtien rivé raché et sans couler en pile sacrifice pour capable bénéficier journée jodi de ti bout liberté ça yo c'est Alermi Pierre Vilus secrétaire exécutif PYDH qui signe notre ça après appelé PYDH qui sont plateforme il y a plusieurs organisations qui a défendre droit peuple haïtien là-dedans donc Christ Fed JILAP Gage ICKL Page RNDDH ak SKL Centre Karl Lévesque premier dans pays États-Unis un journaliste qui pi célèbre sous planète là mouri Larry King li mouri jodi à l'âge 87 ans dans un hôpital dans Los Angeles dans Californie et journaliste ça que tout le monde connaît c'est un animateur célèbre qui marqué profession et Larry King était 87 ans sous tête li li mouri matin et c'est ça et compagnie li était créé Aura Media annoncé non communiqué publié sur compte Twitter et c'est une légende dans la presse mondiale là et dans presse américaine dans télévision américaine non sous CNN qui interviewait presque tout président américain depuis 1974 jusqu'à Donald Trump et il interviewait toute célébrité tout aux États-Unis et dans le monde c'est un journaliste qui célèbre animateur télévision Larry King c'est une légende dans pays et dans pays étranger et peut-être dit fait un paquet d'interviews, un paquet de personnalités et qui mouri là à l'âge 87 ans et c'est ça Aura Media annoncé. C'est à une grande tristesse Aura Media a annoncé la mort cofondateur nous, présentateur et zami nous Larry King qui mouri matin à l'âge 87 ans dans centre médical Cedars-Sinai
dans Los Angeles, Californie. D'après sa communiqué qui publié sur compte Twitter média et compte officiel li et fait connaître concernant journaliste légendaire ça. Aura média pas précisé qui ça cause la mort Laikin qui était entré dans l'hôpital après être attrapé COVID-19 là dans mois décembre qui s'est passé là et sa chaîne CNN t'a annoncé qu'elle était travaillé pendant longtemps pendant plus que 25 ans. Pendant 63 ans, homme de média ça qui était empreinte li dans divers aspects dans la vie médiatique dans pays États-Unis, qui c'est dans radio, qui c'est dans télévision et qui c'est dans média numérique yo. C'est plusieurs milliers interviews li rivé réaliser. Li pa gen côté pour mettre prix récompense pour travail li fait en tant que journaliste et reconnaissance li gen dans le monde entier pour talent. Et Jacques tout prix ça yo c'est témoignage un talent qui unique dans façon te faire interview yo comme homme de média d'après ça Aura Media rapproche pour dire par exemple président Ruslan Vladimir Poutine il était interviewé plusieurs fois Laikin salué mémoire un grand professionnel dans journalisme mondial là et d'après ça Kremlin annoncé yo connaît et c'est le monde entier tout qui réagit et plusieurs célébrités et plusieurs chefs d'État à travers le monde yo connaît ni pour style li il était toujours gen manche chemise li recassé et li gen école toute couleur dans couli et puis bretel li et dans pantalon li sous chemise li et puis avec gros lunettes li et pendant 25 ans il était présenté émission et Laikin Live et sous CNN li interviewé tout président américain depuis 1974. Par exemple, tu as certain Donald Trump qui t'a fait interview avec elle, ça je te dis à faire place président pas t'intéresse. On a pris nous, il pas blé quitter place là. Si pas de institution dans pays ça. Écoute, t'as là t'a passé et je ne veux d'Alvin tellement aimer pouvoir, il pas blé quitter. Alors ce qu'elle te dit, il pas intéressé dans bail comme ça du tout. La Laikin t'a fait interview avec elle. Ma jamais gen intention même pour me candidat du tout pour faire place président à faire maison blanche. Ma jamais rêvé bail comme ça. Et ça t'a dit pour de faire archive. Mais Laikin mettait micro devant toute star yo tout comme Frank Sinatra, Marlon Brando, Barbara Streisand, George et Clooney en pile. Laikin t'a quitté finalement CNN en année 2010. Après ça, il a continué avec interview yo. Il a diffusé sur site internet. Il a lancé dans l'année 2012 émission Laikin Now sur internet et puis après ça Aura TV, une chaîne sur internet toujours, mais pour capable gagner interview ça yo, c'est payé pour payer, c'est à la demande et il a cofondé et chaîne ça sur internet. Et en 2013, il a commencé et puis t'es animé une nouvelle émission politique avec Laikin. Eh bien Laikin mouri, mais faut que nous dit il y a un petit drame dans famille, il a perdu au moins deux nan petite li et nous connaissons un drame là, c'est papa ou bien maman qui a enterré petite et tout ça t'est affecté, gen une nan petite li qui mouri année passée et de maladie cancer, t'es gon premier, il était gen qui t'est mouri et tout ça t'est écrasé sérieusement. Donc c'est une icône presse mondiale là qui allait à l'âge 87 ans Laikin. Na fond Pierre Louis, m'a salué tout internaute yo qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com quel que soit côté yé et tout ça tout qui a recevoir nan sous plateforme intelligent. Gagne une pensée spéciale pour un confrère Baudelaire Dubic et qui perdu maman madame Marie Odette Boussico Dubic qui mourit après plusieurs jours et dans coma après un AVC dans l'hôpital Bernard Meuse dit mourir à l'âge 79 ans. Donc on a présenté condoléances non et by Baudelaire qui c'est membre ANMH directeur radio Horizon 2000 qui fait partie de nouveau élu qui est entré dans conseil association national et média haïtien yo dans dernière élection qui était faite dans mois d'août là et d'août là entièrement et madame Boussico Dubic a chanté samedi et 30 janvier qui a venir là. Donc condoléances pour Baudelaire
à toute famille Dubic, la famille Boussico et toute fraîche, toute alliée et petit tout le monde qui affecté en bas deuil ça. Et puis nous apprenons l'autre la mort, ça c'est un tyran. Il y a un tyran haïtien qui est un tortionnaire et qui mourit. Il fait partie d'un trio qui était tristement célèbre, qui a siégé dans la caserne de Sarine. Et c'est Emmanuel Orcel et qui fait partie de trio ça avec Jean Valmé et Albert-Pierre Thiboulet. De l'autre monsieur ça, il a répondu. Ça a été fait sous terre déjà devant Père Éternel. Trio ça, il était régné. Et sous régime dictature du Valier dans caserne de Saline en tête SD police politique du Valier et tout le monde qui était passé en bas mais monsieur ça yo connaissait tortionnaire yo téyé yo mouri sans que yo pa jamais passé devant justice pour ça yo té fait et Emmanuel Orcel c'est dernier dans trio a qui était toujours vivant nous apprendre li mouri. Et puis nous on va attendre un extrait dans émission intérêt public là qui a passé de matin à 8h sur conjoncture politique là bien entendu et 5 invités dans micro brin président Conas PA qui c'est docteur évêque Françoise Saint-Ville Villiers sénateur empêché l'ouest Jean-Renel Senatus ancien sénateur l'ouest Antonio Cherami Kato, tout le monde connaît, artiste non, et qui a une organisation politique qui est les Matrices Libération, ancien député Marigo Deus Deonet, qui a une organisation politique Elan, qui fait partie tout d'un regroupement et une plateforme ancien parlementaire Kadoa, et puis ancien député Aodo Bien-Aimé, et qui fait partie tout d'une plateforme et politique qui gagne propre organisation ENA. C'est 5 invités ça m'a recevoir demain matin dans émission intérêt public. Je dis à me penser tout le monde, pasteur, ou doit dire Jovenel, 7 février, il va pour où? Allez, on gagne, ou doit dire même bagaille là, franc-maçon, ou doit dire même bagaille là. Même si le président Jovenel va aller demain, même s'il va aller le 6, nous avons besoin de chita. Toute force vive pays a besoin de chita rapidement parce que entre 6, après 6-7 là, maman petite m'a révat. Ben, il y aura le rêve. Donc, nous pensons... L'on dit après 6, l'elle finale? Ou bien s'il pas allé? S'il a fait tête raide. Est-ce qu'elle lui bralé? Ah, moi-même, moi, s'il pas bralé. Moi, je dis que président gouverneur, pas bralé, ni le pape carité. Non, mais s'il pas bralé, il a prêté? Non, pas carité. Non, non, il n'a pas bralé, il n'a pas prêté? Il n'a pas carité. Député Aodo. Mais il a disparu. Après 7 février, ça va passer. Si, en réaliste. Moi, quoi que Lili, laissez bien aimer à vous, donc disons, il faut le mesurer, le parler à n'importe qui barré. Pour les gens attendent, pour qu'on dit bien aimer à vous, donc parler, ça le dit, tout le monde qui a le bénéfice du doute. Jean, sénateur Sodilla, n'a pas goûté pour l'aller avant le. Et nous prenons tête ensemble. C'est ça qui fait qu'on opération tête ensemble qui lancée. FND, pas fondant de tête ensemble, non. FND, il était FND. Mais il y a un souci pour nous tête ensemble, pour nous permettre que nous gagnions, union ça, pour nous faire force ça. Pour nous permettre d'aller bien avant 7 février ou bien le 7 février, tout le monde prêt pour faire sacrifice ça. Mais ça qui arrive, il pas aller le 7 là. Mais s'il pas aller le 7 là, il pas carité non plus. Faut que nous goûtons pour aller en Jean Lavléa parce qu'il m'a été dit président Jovenel Moïse. Nous pas t'avril aller en fracas. Nous pas t'avril aller par la force parce qu'il parle trop de casse. S'il dit le soit haïtien qui remet pays, il lui doit tant de raisons et lui doit pas t'avril tant. Si cela arrive, lui-même, il tue la colle pour permettre que nous rendions ce pays à main. Il n'est pas prêt à aller, mais il n'est pas arrêté. Non. Et ça, Kato? Non, il n'est pas arrêté parce que nous-mêmes, qui ça n'a pas. Qui bataille n'a pas mené? Pour respect constitution, bien que Jovenel font un paquet de bagailles déjà dans deux constitutions, mais nous-mêmes, nous t'attendons, date ça arrive même, et quel que soit Jean Jovenel, lui-même, les vire l'école. Population a campé. Nous on seconde, campé. C'est Mandal qui finit Lili. Exactement. Mandal fini. Oui. L'article 134.2 oui. De la Constitution. Mais lui-même, il nous Mandal pas. Mandal a fini en 2022. Oui. Depuis oui. De si c'est Mandal fini, il n'y a pas le choix. C'est là. Allez, parce que. Moi, j'ai député Hermogène là qui est dans la machine, moi, Captain Medioa. Ou qu'on est lui-même, tout le temps rentré un an après. Oui.
et moi-même. D'après la Constitution, mandat est fini, liquidé un an, allez. Exactement. Et toi, 3 ans, 20 oui, oui, toi. Oui, oui. Qu'on paquet de députés qui fait 3 ans, qu'on paquet de sénateurs qui a accepté fait 4 ans. Et sénateurs fait 3 ans. Ah, Willow et Thierry, Willow et Joseph. Joseph. Par contre, et avec le président, moi, quoi que Lili, c'est mandat qui finit, c'est pas forcé, n'a forcé la loi. Si nous forcé l'aller, c'est avant les 7 là. Nous t'avons forcé l'époque. Nous t'avons forcé l'époque. Mais le 7, lui qu'on est mandat fini, il n'a pas le droit pour en rébellion et avec le peuple haïtien et la Constitution. Je pense que nous supposons mettre tête nous ensemble pour nous connaître ça qu'a fait. Bon, mon petit genre, sorti de nous, parce que je n'ai pas qu'à comprendre. Quand on quand se dit côté n'a passé, je ne comprends pas moi-même. Je vais essayer de conscientiser pour me dire tout le monde, y compris le président Jovenel. Mais ça me fait une grâce. Pas qu'il était payé à tomber dans sa lié là, pour nous avoir perdu, ça nous était capable de brûler et travail que les ancêtres ont fait depuis belle lurette. En nous chita, si c'est remettre la promette, remettre. Mais ne dis pas pour remettre, dis là pour 2022. Et 2022, et encore. Parce que la Constitution qu'a faite, nous allons le dire. Donc, moi, je pense que son année décisive, ou année d'entente, entente entre partis politiques, entente entre la vie et sociale, là, et qui vous permettre que nous joignons côté, nous sortis de crise avec paysan. Et pourquoi quoi haïtien qui a sorti pour côté? Moi, pas quoi. Et c'est ça qui mettait doute dans la tête, moi. Parce que pour que je me comprenne, tout travail nous fait là, ce n'est pas travail en vain, oui. Parce que solution a venu, tout préparé pour nous. De l'extérieur? Yeah. Deuxième bagaille, m'a dit pour me finir, m'a dit, moi-même, moi, pas d'accord à ce que le président Jovenel quitte le pays. C'est pour. Même si il n'est pas au pouvoir, c'est pour le retenir dans le pays. Hein. C'est citoyen lié. Et si la justice besoin, pour faire l'appel à lui. Moi, je crois que, chante tout le monde souhaité, le collègue souhaité là, il y a une initiative qui était prise par Lionel Touyo, avec l'organisation là, et qui était pour aller bailler naissance avec côté tout l'ensemble des acteurs politiques. Déclaration 21 août. Déclaration 21 août. Qui était pour aller bailler naissance avec un comité de suivi. Et le comité de suivi a été travaillé autour de l'ensemble des propositions qui étaient faites par tous les pôles politiques de l'opposition. Pour défendre synthèse. Et je crois qu'ils ont presque fini par concilier l'ensemble de ces propositions-là. Je crois que d'ici le week-end, ils ont fini de concilier tout. Et conclusion, hein, pour permettre que tout acteur, Richita encore, peut-être dans 72 heures ou bien plus, qui va venir, même pas dans le comité de suivi, peut-être pas capable de parler pour eux, je pense que pour aller joindre une proposition commune, côté parlement de tout acteur, pour venir apposer signature en bail, pour valider, pour dire, mais qui document qui gagne, bien avant le 25-26 janvier, qui résumé qui côté nous parle avec pays à partir du 7 février qui vient là, qui s'est pas passé, qui s'est pas fait. Je pense que tout acteur, au mépris de ses intérêts personnels, c'est quoi ça, Yonel a fait la même, par contre, Yonel, tout Yonel, n'y a pas de moi-même. On connaît déjà une pigre écrivain haïtien vivant. Oui, moi connais pas à travers œuvre, mais pas un approchement personnel ensemble avec lui. Mais jusqu'à date, d'après l'information qui m'a gagné, la font travail équilibré, ils ont travail avec une position médiane, sans passe pour qui, ils a font synthèse et avec l'ensemble des passés, ils font passer des beaucoup de voix dernièrement, tu vois, Steven Benoît, tu vois, tout l'autre acteur qui t'a fait proposition, yo, et je pense que solution ça pour aller une solution qui est plus ou moins acceptable pour nous dire nous gon bagaille nan men nous comme boussole qui pour guider nous en attendant nous mettre sac manqué yo et pour 7 février 2021 pour personne pas prétexter que nous pas bien rien comme agenda rien comme package la vacance une fois constatée par les deux pouvoirs de l'État ou par l'un des deux. Je ne peux pas appuyer sur une particulière. Moi-même. Bon, je ne peux pas appuyer sur une. Moi, je suis seulement dans l'institution. Non, tous les deux. Cassation, je suis non, pas le personnage. Lambert. Non, mais cassation, tu es qu'à dire, c'est mon voyou là, je suis président de la commission de justice. Puis il faut la même analyse de dossier. Mais n'a pas le point de vue politique. Non, mais je pas le pays. Pas les deux monde qui flamboyant, il y a les Joseph Lambert qui annonce les couleurs. Moi, je regarde des institutions de préférence. Maintenant, monde qui est institution. Vous dites quoi, constatez. Mal même plus loin. Ouais, on voit mon étape du coup de cassation. Moi, je choisis un président là-dedans. Moi, je dis le pouvoir judiciaire.
Parce qu'en de cassation, il doit y avoir des points d'interrogation. Mais pas oublier choisir président. Et en tant pas de président de la Cour de cassation. Et en tant pas de président de la Cour de cassation. C'est un juge d'institution pour renforcer le pays. C'est renforcer l'institution. Je ne crois que tu es plus potable. Il y a un juge même dans la première. Je ne vois pas de vlé. Il y a un juge, c'est ce qui est bon. Oui, une fois l'institution constatée. Une fois constatée, rapidement, après le président, après qu'on a choisi en début avant 7 février. Yeah. Maintenant, moi-même, moi, nous, oui, volonté pour le sortir dans l'institution, qui va permettre au moins de nous faire des choses plus ou moins potables, même pour l'international. Maintenant, moi-même, moi, souhaité, et c'est là qu'on a fini, que transition, ça n'a pas un gouvernement provisoire qui va venir monter après Jovenel pour continuer à piller le pays, à voler le pays, et pas jamais poser base. Nouveau départ que nous besoin. Et vous connaissez pour faire ça, c'est rapport de force. Parce que international la pape d'Ange va t'avoir, il peut pression pour faire élection. Oui, à bien élection. Et c'est ça, PHT Captain. Non, faut que nous-mêmes les Haïtiens. Nous n'avons pas un document. Non, faut que nous les Haïtiens, nous ça nous. Mais non, il y a un cycle infernal. Non, il y a un non, cycle infernal que nous y est là, d'instabilité que nous y a, c'est parce que pas une institution. C'est parce que, par exemple, la justice là pas indépendante. Oui. C'est parce que nous n'avons pas de conseil. C'est parce que nous n'avons pas de CEP permanent. C'est parce que le pays n'a pas de politique publique que nous entendons nous souligner. Les luttants pour nous dire, nous adoptons une politique qui va nous permettre dans 20 ans, dans 30 ans, si nous avons venu, nous avons pris 80, 70, nous avons quitté le bagage pour nous. Passion. Et gen, nous sommes des extraits intérêts publics qui ont passé demain matin avec 5 invités. Évêque docteur Françoise Saint-Ville Villiers, qui est présidente CONASPE, sénateur empêché Jean-Renel Senatus, ancien sénateur Antonio Cheramicato, et ancien député Deïs Deounet, ancien député Aoudo Bien-Aimé. Et 5 invités, ça va recevoir sous conjoncture politique. Non? Bien entendu, Horizon, nous connaissons 7 février 2021 et fin mandat Jovenel Moïse. Coordonnateur collectif en 4 décembre, Jean-Robert Argan fait un plaidoyer en faveur d'un chita palais en tant que pouvoir Jovenel Moïse là avec opposition plurielle là. D'après ça, il dit pour éviter pays à pas tomber dans le chaos total capital. C'est ça, il dit dans l'interview de Libéré de Kiskeya jeudi à la tête collectif 4 décembre, fait qu'on est et choix radical tout de parti yo montré par gen anken moun kap genyen. N'aptan des coordonnateurs collectifs 4 décembre, Jean-Aubert Argan, un micro, Didro Parent. Pour nous-mêmes, si monsieur, je veux parler du président de la République, je veux parler de monsieur de l'opposition, n'arrive pas à se mettre d'accord pour trouver une solution où tout soit respecté, une solution côté que ce pays qui vient de gagner, qui n'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Nous pensons que la première livre de l'opposition, que probablement, tu as pris le choix entre donner une chance à ce pays ou bien plonger le pays dans le chaos avec tous les dégâts que ça est capable de porter et tout problème que ça a généré jusqu'à perdre totalement, tant soit peu, une certaine souveraineté nationale. Nous pensons que c'est un combat qui est pratiquement enfantin. Nous souhaitons que le président, nous souhaitons que le monsieur de l'opposition le veille à hauteur de gens d'État et que regardez Haïti et le pied tête pour que nous tout au moins, tout le monde a bénéficié. Mais pour le moment, si on continue avec des discours provocateurs, des pressions soit du côté du président, que soit du côté de l'opposition, ça va faire quand on veut la situation qu'on n'a pas besoin. Mais nous sommes comme un football, tous les décrets ont misé sur 7 février. Président misé sur 7 février 2022, opposition misé sur 7 février 2021. Qui nous moins après 7 février là? Eh bien, nous avons fait un match nul là, parce que pas de gagner là, nos conditions ça. Nous avons été sous pitié comme ça, pas de gagner là. Avec ce bagage, avec perte de vie humaine, avec perte de matériel, avec perte vraiment souveraineté pays nous. Pour qu'ils sachent que nous pas gagner des gens, des hommes d'État à la hauteur. Et c'est appel ça que nous avons tout. Pour comprendre, pour lever corps comme des hommes d'État, pour oublier tête. Parce qu'il y a fait match football, ça, match ça, son match nul. Et au fait, c'est tout deux équipes après des nuls et perdants. Et nous-mêmes, qu'a subi nous-mêmes, citoyens.
citoyens, c'est nous qui avons des conséquences, conséquences immaturité, conséquences égoïsme, conséquences de pouvoir que nous avons défendu dans ce monde. Nous avons bien président, que l'opposition, nous avons défendu ce pouvoir. Nous n'avons pas un pays qui a un jeu qui a mené en nous-mêmes. Société à nous demander qui ça. Nous demander que nous gardions le pays. Nous même nous avons souhaité au niveau collectif là, que nous sommes capables peut-être aider deux antagonistes à comprendre que faut au Chita et que nous expliquons l'autre même pour tel réseau. Et qu'il y a les ouverts. Il y a les ouverts pour comprendre que faut jouer une solution. À problème là, pour éviter nous mourir pour rien, pour éviter de payer nous, continuer à aller le cachoum, et on veut mettre dans la gounia. Parce que ça ne va pas apporter nous rien du tout. Il faut que M. Antonio, dans ce sens que pour négocier qui gère. Que le président en fait pour aller parce que de toute façon, s'il était connu à Paris, pour même capable de pouvoir en même, l'argent en même, il a le monopole de la violence et de la force. Donc au niveau de l'affrontement, il n'est pas prêt à porter rien. Ok, mais là, ça vient d'avoir été président. Mais qui paye ou pas bien? Qui sont pour le diriger? Qui sont pour le mener? Sans pas en plus rien. Donc il faut être raisonnable et comprendre que le pays ne peut pas aller dans ce sens-là. Même gens que, ou même pour le monde, pas qu'à l'école, le président, vous voulez m'appeler, il faut aller. Non, vous faites pour discuter avec le monde, pour dire. C'est ça la dialectique pour faire comprendre, mais qui réseau qui fait pour aller. Mandat constitutionnellement rivé à Tony. Bref, les mêmes du mandat par 22. Très bien, pas de problème. Chacun gagne, j'ai analysé. Mais il faut capable de chita en personne intelligente de la mesure que vous pliez tête. Et que mettre pays, que mettre à vous haïtiens devant, pas qu'il y a aucun moyen de partager une solution pour que à l'amiable fini et que nous allons éventuellement en transition, qu'il y a des deux côtés, pas qu'il perdant. Voilà, c'est coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, dans le micro d'Hydro. Par un dirigeant Unifoster, ancien ministre, ancien sénateur Paul Denis. Te prend la parole dans conférence pour la presse et Dirpod débat sous proposition Dirpod à soumettre l'autre secteur politique dans l'idée pour être capable bailler transition en direction d'après plusieurs points d'y présenter dans occasion conférence pour la presse ça dirigeant Dirpod yo prévoit et c'est un membre dans la cour de cassation qui pour prendre présidence en transition et choix ça. C'est lui-même, il dit plus parce que 80% de monde consulté, tombé d'accord sous lui. Et en plus de ça, il parlait tout sous 11 moun qui cap gagné pour ta faire partie de commission nationale transition, cap gagné pour faire choix yon moun dans la cour de cassation pour venir président à la tête Unifoster et parlait tout de intervention et cap fait gens que yo prévoile pour créer un organe contrôle transition qui a gagné pour contrôler toute action cap gagné cap fait gouvernement fait pendant transition dans sens ça et toujours selon Paul Denis qui t'a parlé dans nom Dirpod proposition a présenté à yo parlé de un valet monde qui a représenté plusieurs organe contrôle dans transition environ 23 moun et d'après ancien ministre non et proposition prévoit tout pour dans transition pour rétablir autorité l'état qui à terre pour rétablir sécurité dans pays a pour démanteler toute gang qui journée jodi a empêcher moun vivre dans pays kapsima et la terre dans plusieurs zones. Et puis l'autre mission transition gagné et pour le remplir c'est faire procès Petro Caribé dossier ça et procès tout le monde qui victime dans massacre qui fait dans quartier populaire tant que la Saline et puis pour déboucher sur une conférence nationale n'attendez proposition Dirpod là et Paul Denis a présenté de présenter hier dans conférence pour la presse Dirpod débat côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Au niveau de la direction politique de l'opposition démocratique, nous travaillons, nous préparons une proposition de sortie de crise, nous préparons un accord, un projet d'accord politique pour transition qui va venir là à partir du 7 février. Le premier scénario qui était parlé de la Cour de cassation, c'est lui qui gagne plus de 80% de monde qui parlait et qui prononçait sur ça. Donc, nous avons retenu ce premier scénario côté
président de la République là, il pral sorti l'en cour de cassation. Qui modalité pour choisir président ça? Président ça, pour nous qu'a choisir, nous prévoit en proposition nous. Une commission nationale de transition, commission nationale de transition ça l'a gagné 11 membres là-dedans. Gagné 5 cap sorti dans société civile là et gagné 6 cap sorti dans secteur politique. C'est 11 moun sa yo qui forment commission yo, c'est yo qui pral travail à partir de critères yo pral établi pour yo choisi sous juge qui gagne en cour de cassation qui laisse y a choisi qui pour vinn président de la République. Alors l'an qui j'en pour yo faire choix ça. Nous suggérer nous proposer pour que de préférence choix ça est fait par consensus. Tout moun mette d'accord. Sous qui moun parmi juge sa yo nous pral remettre pouvoir. Si toutefois parce que ça qu'arrivé nous pas yo pas ka dégager un consensus, donc nous prévoit que il est ça il y a font vote et y a c'est à la majorité when que président lui-même li pral sorti. Alors il faut que gagne un pourcentage qui sorti dans société civile là, un pourcentage qui sorti dans secteur politique là. Naturellement qui gon ti plus là-dedans et c'est à partir de là nous on va choisir on va faire choix de président de la République. Commission de transition, li gagne pour le choisir tout et de la même façon selon même procédure. Yon premier ministre là qui côté l'a sorti. Il y a société civile là qui a proposé une personnalité et gagne un secteur politique là qui a proposé deux. Donc a gagné trois monde, trois personnalités, nous considérons qu'il faut honorablement connu dans le pays et qui respecter dans le pays. Et c'est sous l'empanier de trois monde que la commission de transition l'a bien pour choisir premier ministre. À côté de en plus de ça, nous prévoyons un organe de contrôle de ce pouvoir qui y a pas gain pour contrôler et ça me capable dire l'exécution de la feuille de route il y a bien tout pour contrôler toutes les actions du gouvernement. C'est moun sa yo, c'est de moun qui a travail, yo pas gain les privilèges que le parlement gagne. C'est de moun certainement gain de frais y a mettre à disposition yo pour faire travail là, mais yo pas bénéficier d'aucun privilège particulier tant que les parlementaires. Alors, il est prévu dans la proposition noire que cet organe de contrôle l'a gagné 23 membres. Voilà, c'est proposition dire Podlan. D'après présentation, le sénateur Paul Denis a fait une conférence pour la presse, direction politique, opposition démocratique, l'an concernant situation politique en pays. Gagné plusieurs organisations syndicales tant que UNOE, MUT, BESAC, CNOA et avec CADO qui annonçait un mouvement grève général le 1er et 2 février qui a venu là pour dénoncer insécurité, kidnapping qui continuait à faire ravage dans la population. Dans conférence au bail pour la presse hier à la tête brigade syndicale anticorruption Sanson Dumé à coordonnateur mouvement unifié transporteur haïtien yo du clos bénissois malgré tout un chauffeur machine motocyclette rete la caillou dans date 1er à 2 février et pour yo capable et répondre Jovenel Moïse pour bal mon pièce dit yo exiger libération sans aucune condition. Tout le monde qui n'a même kidnapper qui a simé la terre tout partout dans le pays. C'est parce qu'il a continué avec le mouvement grève général. Ça. Et n'attendait une après l'autre. Et à la tête, brigade syndicale anticorruption, syndicaliste Sanson Dumé, et puis coordonnateur mouvement unifié transporteur haïtien, et haïtien et syndicaliste Duclos Bénissois, dans conférence pour la presse, côté Radio Actele Kiskeya, t'es présent. Ma
rapport avec journée de grève nous avons lancé pour lundi 25 janvier, hein, côté que pour nous permettre quantité dans le secteur de la vie nationale là, côté collé et secteur syndical là en majorité, nous avons fini par entendre nous pour que nous reporter grève là. Côté que nous entendons nous sous date qui c'est lundi 1er février à mardi 2 février, nous lançons grève générale ça sur tout le pays pour que nous toujours le même objectif là qui c'est dénoncer les questions et kidnapping là, insécurité généralisée avec pour respect constitution. La continuer pour des populations côté collé mobiliser pour que nous-mêmes nous réalisions deux journées de grève ça qui programmé pour lundi. Nous prenons pile temps, nous prenons pile concertation pour nous arriver dans grève. Chaque fois que nous parlons à pouvoir, il pas attendre. Ils ont kidnappé pour nous une vingtaine de chauffeurs dans le pays. Nous prenons balle au fond. Hier encore, avant qu'ils kidnappent un chauffeur, il y a la veille. On fait des mouvements. Mais de base, pour vas-y. Ils ont libéré. Un jour après, ils ont kidnappé l'autre encore. Ils ont ton machine non sous port de paix à 43 passagers là-dedans. Ils ont tiré un chauffeur Yas qui a sorti pour et port de paix le tuer sous machine. Qui c'est membre SOS Transport. Ils ont kidnappé une machine sous plateau central. 37 passagers là-dedans. Ils ont pris tout pareil. Ils ont pris un paquet de machines sous la Tibonite. Malgré tout ça, nous fait, ils ont pas pour voir la grande tendée. Ils ont tué un paquet de chauffeurs moto. Nous parlons, on va rendre dans des. Une journée après, c'est son point fin. Grève qu'a fait là, pas grève transportée seulement, il s'en faut, ouais. Bon, pluralité syndicale, collective des syndicats. Tout syndicat ici, on est ensemble pour nous faire grève ça et pour nous mettre tout secteur. Et ça fait nous, lancer le début jeudi, qui vendredi 22. Grève va être le premier et son date historique, 1er février à bien. Pour qui ça? 1er février, 2 février 2016. Nous tenons son grève sur tout pays, à côté de nous demander de tirer 100 gouttes sur le gaz. Et nous songeons sous régime matériel, pays a été paralysé, même un petit bébé de Gadomirada. 5 ans après, nous n'avons même label, mais nous tournons encore, 1er février, 2 février 2017, nous connaissons le problème que c'est kidnapping. Doit nous dire qu'il y a environ 1000 kidnappings qui fait. Pour n'importe quel chiffre. Si nous disons chaque kidnapping, ça, on dit, c'est kidnapping, on a gagné 3 mounes. Mais 1 million de gouttes pour chaque. Ça fait 1 million de gouttes. 1 million de gouttes, ça va être à peu près 12 millions de dollars. Mais qui peut mettre? Ça veut dire qu'il y a un mètre. Il y a un mètre, avec nous-mêmes dans le syndicat, nous dit tout le monde pour te coller. Pour grève ça nous réussit et il doit réussir pour pouvoir connaître nos papes jouer. Semaine nous gagne pour libérer tout le monde qui est dans le monde. Sans raison, tout le monde net qui est dans le kidnapper pour libérer. Sans raison. Et dans le cas contraire, il n'y a pas libéré, nous garantis, nous continuons. Et grève là, qui est libéré, mais il faut payer les gens comme ça qui sont dans le monde. Comme vous prenez les malheureux, qui baille caillot, qui baille tout ça pour payer comme rançon. Il faut pouvoir remettre les gens comme vous. Dans le cas contraire, pays, nous disons tout le monde pour décoller, les syndicats, nous disons grève pacifique. Grève nous toujours pacifique, nous déchauffons pour nous suspendre par ces misères pour décoller. Il faut ça, retarder nous, motocyclette, retarder nous pour nous bailler pour nous pouvoir monter pièce parce que nous ne sommes pas capables de supporter encore. Voilà, c'était conférence pour la presse, plusieurs syndicats pour annoncer grève ça. À la tête, CNOA, Dominique Saint-Éloi, mandé pour tout ouvrier yo, qui travaille dans le secteur sous-traitant, sans participer dans le mouvement grève ça, qui a fait premier à 2 février, qui a venu là parce que yo même ak famille, c'est yo parmi moun qui plus victime. Et en bas insécurité parce qu'il y a plus de bonheur pour y aller travailler. Et sous bon pas, il y a un avocat Kadoa qui se met Arnel Rémy aller dans le même sens dans tout pour demander population participer sans garder derrière dans mouvement grève ça et lui faire connaître grève ça la fête c'est pour demander Jovenel Moïse bail pouvoir 7 février 2021 qui c'est fin mandat. Yon après l'autre n'a attendé syndicaliste Dominique Saint-Éloi CNOA et puis avocat Kadoa Maître Arnel Rémy, toujours dans la conférence pour la presse. Nous faisons appel avec le secteur ouvrier. Ouvrier, usine, factory, qui a levé à 4h du matin, 3h du matin, pour aller passer misère dans l'usine factory. Nous connaissons nous-mêmes qui sommes toujours victimes de tous les actes de présage. Dans mes bandits, patrons avec l'État, mettez là pour faire répression sur nous. Les n'a plus de travail à 5h du matin. C'est nous-mêmes qui avons violé. C'est nous-mêmes qui avons fait cas de Jacques sous nous. C'est sous nous encore. Les pour entrer dans le quartier populaire, c'est en bas balle bandit n'a pas entré. Nous demandons avec tout ouvrier, prier dans le caracol, prier qui n'a pas la main, prier qui n'a pas sonapi. Ouvriers qui croient des bouquets, ouvriers qui tabac, ouvriers qui n'ont cafou. Demandez-nous, le 1er à 2 février 2021, grève ça, son grève pour nous bailler réponse avec toute répression syndicat qui rentre dans l'usine factorio. Son grève pour bailler réponse avec Zach kidnapping qui a fait sous nous. Qui est-ce qui est victime? C'est nous-mêmes ouvriers factory. C'est petit nous.
c'est maman nous, c'est nous, c'est cousine nous, c'est cousin nous. Mais demandez nous pour nous porter coller. Ça fait belle lurée que le collectif des avocats a préparé grève ça. Mais cependant, puisque nous jeunes structures de droits humains, on ne saurait préparer cette grève seule parce que nous ne pouvons pas compter rien. Nous sommes honnêtes là-dessus. Mais on a fait appel à des expérimentés. On a fait appel à des personnes qui connaissent la matière. C'est la raison pour laquelle le collectif des avocats appuie totalement cette. Et vous comprenez, oui. Population, regardez. Ça qu'a fait passer pour question de zamita et sentiment. Nous sommes des citoyens de la société civile. Elle dit, le moment pas qu'à marcher, le diplôme pas qu'à marcher, le Dominique pas qu'à marcher. Les a enlevé petit monde, petit malheureux, puis grenèque et n'est dans l'État ou pour les machines l'État. On ne peut pas accepter ces insécurités répétées. C'est la raison pour laquelle la population comprend bien. Grève, je m'en fais pour moi, pardon, je m'en fais pour vous. Je m'en fais pour me dire gouvernement, bonne sécurité. Je m'en fais pour me dire gouvernement, Johanna Dorsey, ce pas mérité $150,000 américains. Je m'en fais pour me dire que ou même qui l'a car, ou même qui a fait une épice, qui a fait un jiwof, qui a fait un lac, ou pas un top pour payer 200 millions de gouttes. Et pas oublier, l'autre objectif grève, c'est de demander au président Jovenel Moïse respecter l'article 134.2. Voilà, c'est divers syndicats qui mobilisaient, qui prennent le temps de grève 1er à 2 février, qui a bien d'attendre de mettre Arnel Rémy, qui est avocat cadois, et puis avant ça, CNOA et Dominique Saint-Éloi, syndicaliste. Hier, un pile monde dans la commune Carrefour est prêt à la rue pour te manifester, arrivé juste Matissan, 23, pour dénoncer insécurité générale, surtout kidnapping, qui blaye tout partout dans le pays. Je t'ai profité by opinion sous article ça dans constitution 134.2 qui concernait Jovenel Moïse et qui demandait le bout de 7 février 2021 attendez quelques dans manifestants qui t'ai parlé comme ça dans micro Amos Breville. Son stratégie politique. Son politique, diversion. Son kidnapping, diversion. Le café nous marron. Il va nous quitter le pays. Ravel. Il va nous réfugier dans le pays. C'est bon café dans le Chili. Nous disons. Il va nous dans le cas voisin. Nous disons. Dadi. C'est bon café nous faire marcher. Nous disons marcher. Ravel. C'est bon café marcher sans rien, Dadi. C'est bon café dans le pays. Dadi. C'est bon café marcher qui sont rien. Complice. Dadi, nous ouvrons la radio. Chaque fois, nous prenons le téléphone. Qui s'allouent là-dedans. Son mouillon violé. Son mouillon kidnappé. Son mouillon. Regardez les chirurgies sous les portes. Nous disons sans couler. Nous disons, nous faisons là. Nous bâtissons. Nous finissons avec Dieu. Nous créons la ville. Nous disons les enfants. Nous disons la vie de la ville. Javel. Nous perdons les c'est la question de kidnapping. Nous perdons. On a des étudiants encore dans la troisième circonscription. Grégory Sétilaire. Pour qui ça? Parce que le tapement des proches en condition. Je dis à l'adaptif ici, vous venez là. Vous ne pouvez pas demander justice pour Evelyne. Vous ne pouvez pas demander justice pour Sétilaire. Je dis à Sétilaire, c'est ton chef qui t'apprend, qui t'apprend en tant que c'est grave. Qui t'apprend en tant que troisième circonscription. Evelyne, c'est ton jeune homme, ton jeune demoiselle qui va même prendre un résultat qui t'a fait un viol, un tuyel, un craché sous cadavre. Je dis à là, on nous est là, on nous est là. Je dis à Evelyne, c'est cette étape-là. C'est pas ça, Evelyne, c'est ça. Tout le monde, ils ont violé, ils ont tué. Si nous t'es sorti, je suis sorti là. L'autre jeune, si on fait le même genre avec nous, est-ce qu'il n'a pas marché sous le monde? Non. Est-ce qu'il n'a pas marché sous le monde? Je dis à, t'es pour pas marcher, ou complice. T'es pour pas dire non à cette insécurité, ou complice. Oui, ou complice. DJ, la guerre pour nous, mettez la guerre pour marcher. L'Union a demandé la paix, dialogue, opposition. On va répondre à la démission, parce que je dis à trop sans couler. Nous ne pouvons pas dire aux Nadel, puis prendre job ministre intérieur pour la contrôler les chauffeurs moto. Nous ne pouvons pas dire aux Nadel, pour nous prendre un job pour la contrôler les chauffeurs taxi. Manifestation Carrefour, il est juste dans la zone Matissan 23 contre insécurité à kidnapping.
C'est dans le micro Amos Breville. Entre procès pour destituer Donald Trump, en réalité, un sondage qui fait 51% américain d'accord pour tracer une leçon sur Donald Trump. Mais comme il a déjà quitté le pouvoir, si procès arrivé fait et que il rejoint le sénateur qui pour voter, c'est il a interdit monsieur, il a retiré droit et civil et droit politique, il pas gain droit participer dans aucune élection encore. Entre négociation pour faire adopter gros programme président Joe Biden et puis procès destituer Donald Trump avec un partage pouvoir qui est très difficile avec les républicains, nouveau à la tête Sénat américain, sénateur New York là, et Chuck Schumer a fait face à plus gros défi dans carrière. C'est lui-même qui vient arriver dans la tête majorité démocrate là dans le Sénat. À 70 ans, sénateur Brooklyn Nord, qui remet rappeler, c'est petit peuple, et papal, c'était un dératiseur, et maman, c'était une mère au foyer, qui pas de travail, et lui promettre républicain pour le travail à Kyo, le, et lui possible pour négocier. Il faut que nous disions, dans le nouveau rôle l'a occupé, c'est avec belle parole, avec un pile, avec un très affable. Et Mitch et McConnell, qui c'est un animal politique, recevoir nouveau et dirigeant Sénat. Je voulais pour me féliciter collègue qui sorti New York, d'après ça, le dit, dans le Sénat, jeudi, il rappelait que Chuck Schumer est vin premier parlementaire juif dans le Congrès américain qui a dirigé une dans deux chambres. Et McConnell dit que c'est un moment historique. Mais amabilité ça yo pas ta doit durer les regarder en jeu. Après Donald Trump fin quitter Maison Blanche non et nouvelle vice-présidente non Kamala Harris c'est bien qui va pour départager et vote dans Sénat les que deux partis 50-50 et si que arrivé en vote égal pour lui même ni bail majorité a et pour démocrate. Alors que nouveau président démocrate Joe Biden voulait pour aller vite, demander sénateurs pour accélérer, pour capable confirmer tout membre cabinet là, et il lance un appel par Congrès, pas perdre du temps pour adopter plan relance économique en 1900 milliards dollars. Nouveau président sénat Chuck Schumer avec Mitch McConnell, il est beaucoup même capable d'arriver en tenue sous qui Jean, il est prêt à le partager. Pouvoir non et Sénat. Donc, il n'y a pas question pour démocratie et régner pour contre, parce que la majorité a gagné en pago. Donc, deux chefs ont gagné pour chita tout le temps pour négocier sur une série de projets de loi et sous nomination yo, et pour yo et capable d'approuver dans la commission et tout et pour yo partager et une série de dossiers. Dans ça qui concerne le procès pour destituer Donald Trump, qui a commencé le 8 février, président majorité démocrate, Chuck Schumer, doit arriver à convaincre 17 sénateurs républicains pour voter avec 50 démocrates, pendant qu'il doit assurer le tout que le Québec équilibre avec le sénateur Palio pour ne pas perdre pas même une graine. Parce que gagne courant dans mi-temps démocratie et gagne plus conservateur que l'autre, gagne plus progressiste que l'autre. Y a un objectif qui presque impossible d'après ça plusieurs observateurs fait. Qu'on est et parce que plusieurs républicains déjà a reproché démocratie, y a une contradiction parce que pas qu'à en même temps président Biden a dit faut que jeter de l'eau sous du feu pour réconciliation et y a en même temps tout pour entrer non procès pour destituer, pour empêcher Donald Trump pas jamais vin capable candidat encore. Rassemblement, il pas capable arriver et c'est à condition que nous arriver faire vérité à éclater et faut que moun qui te gen main au trempé dans événement 6 janvier au payer, c'est sa nouveau patron démocrate dans Sénat, Chuck Schumer répond républicain qui a dit si n'a parlé de réconciliation, nous pas de poursuivre Donald Trump. D'ailleurs, tout défi ça yo, nouveau chef majorité démocrate là, doit tout essayer kembe groupe démocrate là uni depuis très très progressiste sénateur Bernie Sanders
rivé jusqu'à très conservateur, toujours démocrate, Joe Manchin, qui élu dans l'État républicain Virginie Occidentale. Le pas facile et pour Schumer. Ça prend une période très difficile, d'après sa sénatrice modérée républicaine, Susan Collins, fait connaître. Avec un Sénat qui divise 50-50, chef majorité a, l'a gagné effort pour le faire tout le temps pour le capable construire des coalitions en deux parties. Alors que, il dit que, il n'est pas facile, d'après sénatrice, non, Collins, qui a fait déclaration dans interview by AFP hier. Il fait partie de divers sénateurs dans deux parties qui déjà, ouais, ils ont traversé une époque qui est extrêmement compliquée. Dans le Sénat américain, qui n'est pas facile pour le sénateur Schumer, qui est président de la majorité démocrate. Là. Il dit, marge de manœuvre, monsieur, pas large. Et d'après ça, le sénateur républicain Lindsey Graham, qui est fidèle parmi fidèles, qui toujours a défendu Donald Trump, déclaré, lui fait connaître, et nous prenons en pile négociation pour nous capables de joindre une série de compromis, d'après ça, loi qui a venu là. Républicains, d'après lui-même, pas soutenir gros programme réforme économique président Biden. Mais il pensait que il est capable d'arriver à un plan qui est moins ambitieux, qui a réduit dans voilure. Dans ça qui concerne le projet Joe Biden pour régulariser plusieurs millions de monde qui vivent sans papier dans le pays États-Unis pendant la réforme du système migration, selon républicains, Graham dit quoi que il pas approuvé. En parlant de républicains, et pendant les faits qu'on est, c'est un autre plan qui peut être pipi. Donc, républicains, pendant un gros projet, gros vision. C'est peut-être pour Dreamer, un petit monde qui est arrivé pipi dans le pays États-Unis, en fait, qui vient des Américains, mais qui n'a pas de papier, presque 1 million. C'est sous projet ça, ils pensaient, et président Biden capable de faire des résultats. Et depuis, à partir de 2022, situation est compliquée, et puisque démocratie, yo gagnent pour défendre majorité yo a alors que républicains pral mande déchaîner pour faire gagne contre démocrate. Après division concernant question mandat avec Trump et puis appui que yo te bénéficié dans congrès en parlant de nouveau président et qui a dirigé majorité démocrate là Chuck Schumer, est-ce que li pral tenter pour tirer revanche li contre républicain? C'est question ça qui a posé. Non, d'après sa sénateur démocrate Robert Menendez, insisté pour le dire contre AFP, faut que nous profiter au contraire de opportunité ça pour nous faire programme parti démocrate là avancer dans le parlement, surtout dans le Sénat. Donc une victoire mais qui très difficile pour démocrate étant donné qu'un pile républicain qui très conservateur.